Et bonsoir. Bonjour. Cucu à petit cancanou. Bonjour, petit cancan. On a changé la lumière. Alors, on essaie de faire un truc. Donc on devrait être plus lisse, Alors, non, pas vraiment. La plus lumière, blanc. ça, le côté plus lisse, c'est naturel. C'est notre C'est glow. notre glow naturel. Et non, 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 c'est parce qu'en fait, vous connaissez le principe des trois lumières, c'est-à-dire côté droit, côté gauche. Mais si vous connaissez un peu plus la photographie ou autre, il faut aussi délimiter le contour. Et du coup, la lumière doit arriver par derrière aussi. Ou en tout cas, en partie par derrière. Ouais, on est plus détaillé que d'habitude, je trouve. Oui, c'est possible. Voilà, et ben bienvenue. Oui, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Ça va bien, on va bien, tu vas bien? 13 bis, toi tu vas bien. Je suis blasé, mais ça va. Toi t'es blasé, ça va. Moi ça va. J'ai passé ma journée sur une terrasse au soleil. Donc c'était bien. Voilà. Et puis bah bienvenue petit cancanou, on espère toi aussi ça va depuis mardi. Et donc qu'est-ce Ça marche le HUD, enfin! qu'il J'étais en train de me dire, est-ce qu'il a compris? y a? Ah. Donc on est jeudi soir. Vous êtes dans Chronologie des femmes artistes, épisode combien que c'est? J'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé. 25. Épisode 25 de la saison 2. De la saison 2. Donc ça veut dire 25, et ben 25 semaines. Coucou Clem Lulu. 25 semaines de découverte, de parcours de femmes artistes. Et voilà, donc on commence tranquillement, comme toutes les semaines, par la présentation. La présentation de qu'est-ce que nous faisons ici, même si tout le monde normalement qui est actuellement ici présent et présente connaît le truc, mais bon, je réexplique toujours. Donc, dans Chronologie des femmes artistes, comme le titre l'indique, on vous fait découvrir des parcours de femmes artistes Bonsoir qui. Nadoual. Bonsoir Nagual. Ont des pratiques artistiques qui sont comprises dans ce qu'on a, dans ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé, on ne sait pas, les arts visuels. Donc, c'est des choses qu'on peut vous transmettre par l'image, qu'on peut commenter, dans lesquelles on peut zoomer. Donc, a priori, pas des images en mouvement. Voilà. A priori. Donc, a priori. Donc, on est plutôt là-dessus. Et on va donc découvrir les parcours des femmes artistes via leur page Wikipédia. Et c'est voilà, de la lecture, de la découverte, de la discussion, de la rigolade, pour finalement trouver, comprendre un peu comment l'artiste a fait son parcours et trouver la date de première monstration, qui est la première fois que le travail de l'artiste a pu être montré dans un cercle non privé, on va dire. Donc pas la famille, pas les amis proches, voilà, qui a eu une ouverture, on va dire. Et c'est cette fameuse date que nous mettons sur la frise, ici présente. Présentement présente. Qui est donc une frise qui est découpée par siècle ou par demi-siècle, puisque il y a des endroits qui sont très chargés, notamment le 20e et le 19e siècle. Puisque ce sont des siècles qui ont été très travaillés au niveau de l'histoire de l'art, et donc on a beaucoup plus de ressources, donc beaucoup plus de noms d'artistes, etc., etc., et on peut plus facilement vous en parler. Voilà, donc au niveau des artistes qu'on découvre, on est sur un spectre géographique assez large, comment dire, qu'on élargit, qu'on essaie d'élargir le maximum possible. Et enfin, concernant donc les dates, je vous ai parlé des périodes, un par siècle. On commence à moins de 100 avant Jésus-Christ, pour arriver à la date précise de 1982. Que faites-vous? Je Que fais faites-vous, des tests monsieur? de lumière. Il En manque fait, pas Raving Bull? non, il ne sera pas là. Raving Bell?
Oh! Et qui va faire des blagues? Bah, Clem Lelu est là. Ah bah, il faut des blagues, hein. Bon, faut des blagues, je sais pas. Personne Hein. ne va apprécier mon accent, alors, du coup, ce soir. Bah, Mes accents. pourquoi? Il n'y a pas que la lunette qui apprécie ton Ouais, accent, c'est ça vrai. se trouve. En replay, tu sais, il y a du people aussi. Peut-être j'ai des fans cachés. Peut-être une fanbase grandissante. Je sais pas. Voilà, donc ça, c'est un peu pour le récap. Ben après, vous savez hein, comment on procède. On a trouvé des artistes au départ, qui étaient celles qui nous venaient à l'esprit. On est allé découvrir les pages Wikipédia, et puis de page en page, on a découvert d'autres femmes artistes qui étaient linkées à ce profil. Et voilà. Et voilà, on a développé ça sur 2 saisons, 25 épisodes. C'est pas du tout beaucoup, hein. C'est pas du tout beaucoup. Donc voilà, donc ce soir, eh ben, on continue. Si je me trompe pas, on est encore dans Chronologie des femmes artistes futures 2, dans l'onglet de la mort qui continue. Oui, dans les 99. Donc voilà, on continue cette. Alors, non, on ne fait pas partie de cette communauté des nerchis et des chineurs. Voilà, non. Moi, je suis désolé, je n'accepte point. Par contre, on peut parler d'un truc, parce qu'il y a eu un article qui est sorti de Numérama sur la thune de Twitch. Oui. On peut en parler ou pas? Bah, on en parle toutes les semaines. Tu dis que on a un compte à Malte et tout ça, toutes les semaines, Bah du coup, on va parler de la thune. Alors, on va en parler. non? Alors, je vais vous montrer du coup ce qu'on a gagné dimanche dernier. C'était dimanche ou jeudi? Je sais plus quand je l'ai Non, dit. c'était jeudi, je crois. Jeudi Ok, dernier, quand on alors. a eu 3 raids, là. Ouais. Je vais vous montrer ces tableaux de bord. Non, c'est pas tableau de bord, je sais plus. Non, c'est Contenu. dans succès. Bon, déjà, est-ce qu'on peut faire un topo du fait que nous ne sommes pas affiliés? Enfin, on pourrait l'être. On n'a Que pas signé nous n'avons pas signé de le contrat. contrat parce que y a bizarrement une sorte de flou sur les droits d'auteur entre les droits d'auteur américains et les droits d'auteur français. Ce qui. Si vous êtes un peu au courant, les droits d'auteur français permettent de revoir la paye que nous touchons assez souvent si on a envie, selon le contrat. Mais je vais vous montrer du coup ce que nous on a eu en tant que récompense. C'est quoi ces récompenses de. Je sais plus, c'est. Succès. Succès de la chaîne. Voilà. Donc je vais vous montrer. Le HUD il est ouvert. Je ne sais pas. Est-ce que l'Internet. Il... Non. Internet, vous ne le voyez pas pour l'instant. Vous le montre. Ok. Ok. On revient sur le node. On gagne des sous quand on reçoit des raids? Non, 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 pas du tout. Non, non, pas du tout. Alors, quand on reçoit des raids, on reçoit de la visibilité. Et ça, c'est toujours bien. Ça fait nourrir, ça nourrit des gens. Mais regardez bien ce petit onglet. Je voulais faire un tweet dessus, mais j'ai. Pas le time. Nous avons. Je zoome parce que c'est incroyable. Je zoome énormément. Est-ce qu'on va pouvoir le lire? Ah, il n'y aura pas écrit le total. Le business de l'Empire. Et ça, c'est l'enfer. Alors, je continue le. 500 heures. Voilà. Avec Petit Cancan et nous, c'est point d'exclamation Cancan nous pour pouvoir faire la visibilité pour Petit Cancan. Voilà. Et du coup. On a dépassé les 500 heures. Sachant que nous, on a un strict planning qui est très simple. C'est-à-dire que le jeudi à 21h, on a le chronologie des femmes artistes, qui normalement finit à 23h30. C'est un calcul par rapport au premier épisode, en fait, c'est 2h30. Voilà. Et ensuite, le dimanche. Où normalement je fais du 14h-17h, donc c'est à peu près le même temps, vous calculez, ça fait 5h30, c'est ça? Je sais pas compter. 2h30 plus 3, ça fait 5h30. 5h30. Vous multipliez ça par 4, ça fait 20 plus 22, à peu près. Attends, je vais vérifier. 5 fois 4. 5 fois 4, 20. Voilà, et 5 fois 3, voilà. 15. Donc ça fait 21h50. Du coup, oui, la politique Kappa n'est pas là. C'est pas grave. T'as été ban? Non. J'ai pas eu. J'ai pas eu. J'ai pas eu.
Alors j'ai vu aussi passer. Enfin, je pense à celui avec un témoignage de Jean Massier et Nathalie, c'est exactement celui-là. Pas que de la thune, non, il y en avait en général sur un truc sur le burn-out. Et bah, on va parler de ça parce que justement, vous voyez un stream de total de 500 heures. Nous, on l'a fait en 2 ans. Alors qu'on fait que 2 émissions. Oui. De maximum 3 heures. Pour être grosso modo. Donc, ça signifie que nous, on s'inflige le principe de la visibilité, d'après ce que j'ai compris dans le truc, c'est 6 heures de stream. Nous, on fait la grève du zèle ici. 6 heures de stream à la suite d'après. J'ai pas le time, tu n'as pas le time, je pense, de faire 6 heures de stream. Peut-être dans le futur de l'imparfait, on aura le time. Mais il y a aussi, je rappelle, les pauses sont nécessaires. La pause pipi, la pause caca. Voilà. La pause manger. La pause crotte, comme dirait Opcrotte. Il y a le fait de prendre son temps aux toilettes, hein, aussi, je précise. Non, mais c'est super important. La pause de repos des yeux, la pause musculaire d'une personne qui est assise. Tout ça, faut le prendre en compte, en fait. Donc, du coup, l'histoire du burn-out, ça, c'est un autre truc. C'est justement de la recherche aussi d'avoir la visibilité, d'aller au maximum de ses limites corporelles, parce que c'est ça, jusqu'à dépasser, en fait. Et la goutte d'eau, en général, c'est trop de travail, plus les rapports sociaux qu'il y a par Internet. Donc, nous, on est à 500 heures en 2 ans. C'est déjà énorme. Je vais vous dire, du coup, ce qu'on a été touché. C'est le niveau 2, déjà, en plus. Ce qu'on a touché en tout. Et principalement grâce à Fing Bell. Grâce au producteur, grâce à la prod. Grâce à la prod, du coup. Qui s'est enfui, bien entendu, avec tout l'argent, bien entendu. je vous montre, parce qu'on va revenir dans le HUD. Regardez en bas, j'ai mis l'objectif à 720. C'est un calcul uniquement basé sur le temps, plus le matériel nécessaire, plus l'utilisation du matériel, plus la vie. Parce qu'en fait, c'était principalement pour que toi, à la base. Mais oui, c'est pour chronologie des femmes artistes, pour qu'en fait, faire fonctionner le stream. Je me rappelle plus exactement du calcul, mais je crois que je l'ai noté quelque part, je pourrais vous le dire. Mais l'idée, c'est qu'on est à zéro, là, par exemple. On est à zéro, parce que Raving Bell nous donne que 5 euros par mois. Ok ? Et qu'on est déjà à la fin du mois. Donc, ça se remet à jour, je sais pas quand. Mais en tout, vous calculez... ça fait... On a eu une chance, c'était touché de 100 euros aussi dès le début du stream. Ah oui, de tomber du ciel. On ne sait pas d'où, avec un truc au pif. Merci à Mich qui est dans le Discord. Et ensuite, on a 85 euros, du coup, de Raving Bell. Ce qui fait 185 euros. Calculez ça, divisé par 500, et vous aurez le prix de revenu de cette chaîne. Attends, je te dis. Voilà. Donc... 185. Nick Bezos, et c'est 1,60€, parce que si vous donnez 5 balles, c'est 1,60€. Ça fait 0,37 centimes. Voilà. Et vive nos 0,37 centimes, parce qu'on a gagné déjà plus, en vrai, que beaucoup de personnes, en fait, qui sont affiliées, voire partenaires. Oui, et qui ont fait beaucoup d'heures pour arriver à juste... Voilà. Ça. Nous, on a fait très très peu, on fait le minimum, presque. On pense pas faire plus, voire on va faire moins. Donc, voilà. Et ça, c'était pour rappeler que le business de l'Empire, là, on est niveau 2 déjà, ça veut dire qu'on a fait 250 heures l'année dernière, et que là, on a fait 500 heures. Et que le futur, parce que après, vous regardez, hein, le futur, c'est 1000 heures. Ah ouais, d'accord, bah bravo. Comment vous dire que étrangement, ça, je vous le précise, hein, parce que moi, je le regarde jamais. C'est un truc qu'il faut pas regarder. Ça s'appelle de la gamification. Le but, c'est de vous pousser à remplir toutes ces jauges. Moi, ma jauge, c'est je bois, je mange, je vais dehors. Ce qui est déjà bien, en soi. Voilà. En tout cas, vous ne vous pressez pas. Si vous voulez gagner de la fame, prenez votre temps. Et pensez à votre bien-être, s'il vous plaît. Voilà. C'est mieux, je pense. Pour tout le monde. Bon, des bisous. C'était la fin de ce stream. On a fait 10 minutes aujourd'hui. Gerbant sur 20 ce système. Et oui, exact. Toujours x2 histoire d'être accro aux stats. Et il parlait de ça dans l'article aussi, à la manière des addictions connues sur YouTube. Et oui, c'est hyper flippant.
Et quand je dis que voilà, 0,37, c'est qu'on gagne quand même bien par rapport au temps qu'on fait, imaginez les personnes qui passent 8 heures ou 7 heures par jour. C'est très très dur. Surtout si nous, on a quand même maximum 3 personnes dans le stream. Non, dans le... ce qu'on cherche pas non plus à remplir non plus. Mais voilà. C'est très très dur pour tous les créateuristes qui essayent de travailler justement à faire fonctionner et à vivre de ça. C'est très très dur. Ne comptez pas. C'est un peu comme un. Comme, en, nous, on connaît un peu ça parce que c'est les boulots d'art en fait. C'est exactement ça. Donc en fait, faut bien se limiter en fait sur ça. Sur à quel moment on dépasse nos possibilités, quoi. Alors, est-ce qu'on reviendrait pas dans le. Oui, on a tout pris. Oui, c'est ça. C'est une disparition. D'ailleurs, regardez, la prod n'est pas là. Quand même grave. La prod s'est absentée. Ah. Oui, je crois qu'elle est en CA, la prod, actuellement. Je sais pas. Pour discuter de la revalorisation. Alors, oui, parce que nous, on a fait quand même une courbe ascendante, hein, parce qu'en follower, en vrai, si vous faites tous les principes de grandes personnes qui montrent des courbes, sachant qu'on a commencé à zéro et que maintenant on est à 240 en 2 ans, on est à 100% chaque année. Donc, road to 300 pour la troisième année. Hein. Je rappelle, croissance exponentielle. C'est comme ça qu'on dit. La prod à Malte. Elle est en exil dans le sud de la prod. Ah, je sais pas. La prod, si, elle donne de l'argent, bien sûr. Elle fournit le matériel, elle a fourni la RAM. Là, d'ailleurs, vous voyez, on peut se permettre de parler pendant 500 ans sans commencer le stream parce que l'ordinateur survit. Si, la prod alimente la qualité de ce stream, bien sûr, depuis le départ. Mais d'ailleurs, le premier apport de production tombé du ciel a aussi servi à... La lumière. À la lumière ou la webcam, non? Les deux, un peu. Ouais, donc parce voilà. Que moi, à chaque fois qu'il y a un apport de la prod, il y a un apport de ma part. Bah oui, forcément. Parce que, voilà. Parce que t'es pas prod exclusive, quoi. Non, je suis pas prod exclusive. Si la prod de claque un peu, je claque un peu, c'est normal. Très bien. Ok, bah voilà, hein, donc pour cette petite interlude Tunas, Moulaga. Et bien-être, voilà. Et bien-être. Bien-être dans toute création, si possible. Est-ce que t'as fini, on a fini le troupeau du coup? Ouais, on va bien commencer sûr, à regarder les petits trucs que nous devons regarder naturellement, c'est-à-dire les onglets. Et c'est là où ça fait un peu un truc bizarre, non? Parce qu'on va regarder des onglets où il y en a 99. Non? Non, mais je pense qu'on a un peu avancé. Il doit peut-être y en avoir 95. Non, mais sachant qu'on en rajoute à peu près. On en rajoute à peu près 3. 3 voire plus par épisode, donc dans les chronologies futures, donc c'est difficile. Hein. La pizza, on l'a fait la semaine dernière. Hop. Hop. Ah, c'est encore des noms composés là. Oui, bah ça arrive. Hein. Tu as fait des Galizia qui est sans doute un retour en Italie. Ok. Ouais, je vous laisse sur ça. Moi, je prends le tweet. Mm-hmm. Et du coup. Tu veux que je regarde s'il y a de l'anglais? Ah! Est-ce qu'on vérifie quand même quoi? Non, on l'a pas fait. Si, Rebecca Salisbury James. T'inquiète pas, c'est moi qui m'occupe. D'accord. Donc il y a le Framapad que tu peux mettre. Ah oui, on n'a pas fait. On n'a pas fait les outils, oui, c'est vrai, parce que j'ai les tout de outils. Suite. Alors il y a un Framapad qui tourne sur ce stream. Le Framapad, c'est là où vous pouvez avoir accès à tout. Si vous voulez, je vous le montre. Ça ressemble à ça, parce qu'on a une super RAM. Regardez comment ça va vite maintenant, oh, c'est beau. Magnifique. C'est quand même beau, hein. J'ai perdu ma souris, mais c'est quand même beau. Il y a les noms, il y a les URL, il y a tous les noms, il y a toutes les URL, sauf... Oui, oh, ça va, hein. Voilà, on a toujours pas fait la description. Voilà. Et, oh, regardez, mais c'est l'épisode 25. Mais c'est déjà le cas. Et il y a l'épisode 24. Qui est déjà mis, qui est sorti à 19h, comme d'habitude.
Et voilà, il y a le YouTube bien entendu, donc si vous arrivez sur cette chaîne, vous pouvez regarder ce que j'ai fait comme miniature, bien entendu. Il y a aussi du coup sur Twitter, si vous voulez aller suivre sur Twitter. Voilà, je récupère le frama, parce que vous n'en avez pas besoin, pour l'instant. Il est dans le chat, si vous avez besoin. Et il y a deux framas. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai ouvert deux fois. Ok. Forcer la reconnexion. Du coup, voilà. Tout ça pour dire, si vous avez besoin de le checker à notre place, parce qu'on n'a pas oublié de checker, ce qui est apparemment souvent le cas, vous pouvez faire CTRL F, prendre le nom de l'artiste que je vais mettre aussi dans le chat, et vérifier. Voilà. Celle-ci, nous ne l'avons pas fait, par exemple. Très bien. Est-ce que tu veux que je la traduise par Google? Je veux bien, parce que là, si je commence à faire le premier en anglais, je pense que je vais pas tenir. Ok. Je pense. Alors, c'est possible qu'il y ait encore des pauses, voilà. Comme la dernière fois, pour aller aux toilettes, ce genre de truc. On se permet, hein, bien entendu, vu qu'on vient de le dire. Aller chercher des fruits. Voilà, ce genre de trucs-là. Manger une poire pendant 15 ans. Voilà, tapoter, en tapoter devant le micro. J'ai fait ça? Oui, tu fais ça souvent. Ouais. Je fais comme ça? Oui, souvent. Tu fais pas comme ça, mais avec des trucs dans les mains. Oh. Oh. Mais c'est pas grave. C'est pas comme si ça s'entendait. Et je pense que vous allez pas trop voir Ninouche cette semaine, je oui. pense. Elle est un peu de mauvaise humeur en ce moment. Elle fait un peu la tête. Alors, Rebecca Salisbury James. Alors attends, je vais vérifier parce que là j'ai agrandi le... Enfin, je suis connecté du coup. Je vérifie la taille, que ce soit bien lisible. Ah bah pardon, viens. J'ai menti, elle m'a fait mentir. Et on n'est pas des robots, bien entendu, même si je joue beaucoup des robots dans les jeux vidéo, j'avoue. Elle me fait mentir, je l'ai appelée, du coup elle a dit, bah non, je viens, il n'y a pas de... voilà. Non mais, oui, je suis heureux d'avoir de la RAM, tu sais pas à quel point ça m'a changé la vie. sincèrement, ça change une vie, clairement. Et vous êtes pas des robots, clairement, ah bon, bisous à elle, ah bah, voilà, elle est venue se plaindre, calomnie, exactement, et est en train de me faire des câlins, alors qu'elle pue du cul. je suis heureux. Elle pue du cul de la tête. Voilà, bon, alors du coup... donc notre première artiste de ce soir, Rebecca Salisbury James, qui est née en 1891 et qui est morte en 1968, était une peintre américaine autodidacte née à Londres, en Angleterre, de parents américains qui voyageaient avec le Buffalo Bill Wild West Show, qui est un cirque. Oui. J'imagine oui, parce que c'est le cirque de Buffalo Bill, le cirque le plus connu au monde. D'accord. Elle s'est installée à New York où elle a épousé le photographe Paul Strand. Après son divorce avec Strand, James a emménagé à Taos au Nouveau-Mexique où elle s'est retrouvée avec un groupe qui comprenait Mabel Dodge Luan, Dorothy Brett et Frida Lawrence. Je pense que nous ne connaissons absolument pas les trois artistes. Mabel Dodge, je crois que si, c'est possible. Mais je sais pas si Mabel, c'est un J'ouvre tout. Homme. De toute façon, on a de la RAM. Voilà, quoi. En 1937, elle épousa William James, un homme d'affaires de Denver, dans le Colorado, qui exploitait alors la Kit Carlson Trading Company à Taos. Elle est restée à Taos jusqu'à sa mort en 1968. James est connu pour ses fleurs de fleurs. C'est pétale de fleurs, peut-être. Bah, je sais pas, qu'est-ce que ça. C'est quoi? Non, tu as fermé la page en anglais? Non, bah non, si je passe dessus, il y a marqué. C'est où, fleurs de fleurs? Là, ou là où t'es. En dessous. Ici. Large scale flower blossom. Blossom, c'est des. Ouais. Blossom, c'est des. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, pour ces bourgeons de fleurs de grande taille et ces natures mortes peintes sur verre. Elle a également travaillé sur la broderie de colcha, un style artisanal hispanique traditionnel du Nouveau-Mexique. On avance un petit peu pour voir sa jeunesse. Au revoir. C'était bien, Twitch. Hein. On va devoir rester dessus. Alors, Salisbury James est né de Nathan et Rachel Salisbury.
Elle avait deux frères aînés, Nathan et Milton, et une sœur jumelle, Rachel. Elle a grandi dans l'Upper West Side de New York. Avec sa sœur jumelle Rachel, donc, elle a fréquenté l'école de culture éthique à partir de 1905. Elle était membre du Glee Club et de l'équipe de basketball. En 1915, elle est majeure de la promotion du Teacher College. Et en 1917, elle et son frère Nate publient A Book of Children's Songs. Voilà. Alors, à New York et Taos. Rebecca Salisbury a épousé le photographe Paul Strand, donc ça on a vu, le 21 janvier 1922 à Manhattan. Les deux étaient des participants actifs dans le groupe d'artistes qui ont montré leur travail aux galeries d'Alfred Stieglitz, au 291. Alors là, ils, je pense que tout est traduit, la galerie intime et une place américaine, je pense que c'est... Donc les deux, Paul et Rebecca ont été des participants actifs dans le groupe d'artistes qui a montré leur travail dans les galeries de Alfred Stieglitz. Donc il y avait 291, The Intimate Gallery et An American Place. Ok. Outre Stieglitz et Georgia O'Keeffe, les Strand étaient proches de Martin Hartley, Arthur Dove et Hélène Thor, et de Gaston et Isabelle Lachaise. Martin Hartler. C'est qui Martin Hartley? Ah, on va pas pour ça. Ah, ça marchera pas, faut repasser et par bon, l'anglais en fait. Hélène Thor et on va vérifier après. Ok. Bon, bah voilà, on va ouvrir 90 millions de personnes. En 1926, les Strands ont voyagé vers l'ouest, visitant le parc national de Mesa Verde et des villes comme Denver, Santa Fe et Taos. Ils avaient plutôt envisagé un voyage en Europe, mais comme Rebecca l'a écrit à Paul, l'Europe sera toujours là quand nous serons d'âge moyen. Nous pouvons encore en profiter. L'Ouest que nous devrions vraiment voir tant que nous sommes jeunes et robustes, et cela a gagné, ça ne dure pas toujours. C'est bizarre, cela a gagné, c'est trop bizarre. Oui, bon. Strand a apprécié le Sud-Ouest et l'hospitalité de Mabel Dodge-Luan, à tel point qu'elle a écrit à Stieglitz et O'Keeffe. Elle était si adorable, pourquoi et... Elle a été si gentille avec nous, nous ne le savons pas. Sauf qu'elle l'est probablement pour tout le monde. Elle veut que vous veniez tous les deux un jour. Georgia devrait. Elle ferait de grandes choses. Georgia, venez un jour. C'est Georgia, c'est la ville, non ? O'Keeffe. Non, c'est Georgia O'Keeffe. Elle s'adresse à Georgia. Ah. En 1929, Strand retourna au Nouveau-Mexique avec Georgia O'Keeffe. Les deux sont restés dans l'enceinte de Mabel Dodge-Loan à Taos, où Strand a appris à O'Keeffe à conduire. Les deux ont peint tout l'été. Strand et son mari sont retournés dans le sud-ouest en 1930, 31 et 32. En 1933, les deux ont divorcé au Mexique et Rebecca est retournée à Taos, où elle épousera l'homme d'affaires William James en 1937. En 1953, elle a publié le livre Autorisez-moi to present. c'est quoi le nom en anglais? Tu peux te mettre dessus. Authorize me, je suppose. Oui, laissez-moi... Allow me to present 18 ladies and gentlemen and Taos. Ok. Voilà. Alors, art et exposition. James a créé des œuvres d'art au pastel et au fusain. Mais pendant la majeure partie de sa carrière, elle a principalement travaillé dans la technique de la peinture inversée sur verre. Elle a également participé au renouveau du point de colcha colonial espagnol. Elle a écrit « Ce point polyvalent, pour moi, a fourni un moyen créatif de faire une déclaration avec des points. Le monde vivant qui nous entoure, le ciel, la terre, les gens, les herbes, les arbres, peuvent être imprégnés d'une vie immédiate. » James a participé à sa première exposition de groupe à la Opportunity Gallery de New York en 1928. Elle a exposé ses peintures dans les institutions suivantes. Donc on a la date de première monstration, 1928. Je note. Donc elle a exposé à The American Place en 1932 et 1936, au Musée d'art de Denver en 1933, Musée d'art du Nouveau-Mexique en 1934. Est-ce que tu peux avancer s'il te plaît ? Au Centre des Beaux-Arts de Colorado Springs en 1939. Bon, je vais peut-être pas tout vous lire parce que c'est long. Elle a montré aussi sa broderie. Elle a également souvent participé aux expositions annuelles du New Mexico Museum of Art à Santa Fe. Et elle a... Pardon, je sais pas pourquoi je suis descendu.
Bah, j'ai pas fini, ou c'est encore long? C'est encore long. Ouais. Donc, elle a également souvent participé aux expositions annuelles du New Mexico Museum of Art à Santa Fe et de la Hardwood Foundation, maintenant, qui s'appelle maintenant la Hardwood Museum of Art à Taos dans les années 30, des années 30 aux années 60. Donc, ensuite, on a un petit point sur où est-ce qu'on peut trouver ou où est-ce qu'on peut voir ses œuvres. Donc, vous en avez à New York, au Nouveau-Mexique, enfin à Taos, à Santa Fe. À Albuquerque, encore à nouveau à Taos, beaucoup donc au Nouveau-Mexique. Est-ce que tu peux avancer s'il te plaît? En Oklahoma, à Tulsa, pardon, à Atlanta, à Cambridge et à Baltimore. Et dans les collections privées qu'on ne sait pas. Voilà. Ça fait au fur et à mesure, faut baisser la caméra à chaque fois. On moi, est comme ça, là, on est comme ça à la fin. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Parce qu'on est comme ça après, tu vois. Oh. On s'écrase en fait. Faut qu'on reste droit. Voilà, voilà. Bah du coup, j'ai regardé pour les noms des autres dames que nous avons rencontrées pour l'instant. Donc Mabel Dodge, par exemple, si c'est une artiste, non, c'est une riche mécène. Donc. Ok. Donc non. Dorothée. C'est une peintre, on l'a jamais faite, du non, coup. Non, ok. Je rajoute. Frida. Non plus, on l'a jamais faite. Auteur allemande et épouse du romancier britannique. Bah oui, mais. Voilà. Du coup, bon. C'est une autrice. Ouais. Hélène Thor. On l'a peintre jamais... moderniste américaine connue sous le nom de Reed. Et on l'a jamais fait non plus. Ok. Bon, bah. On finit. C'est un homme, quel dommage. Mais aussi, il s'appelle des noms bizarres, Martson. Mais ça faisait, c'est, si tu as joué à Red Dead... Ah ouais, mais j'ai pas joué à Red Dead. Parce que Martson, je crois qu'il y a, dans Red Dead. Ok. Ce n'est toujours pas un cul. Hein. De toute façon, c'est un cul d'homme. Peut-être pas. Non, mais je sais, mais il faut dire à Twitch. Ah pardon, Twitch, c'est un cul d'homme. Oh, on va se faire ban. Donc, est-ce qu'on ajoute 1928 dans la frise? Enfin, on sait pas oui, si on bien l'ajoute. Bien, pourquoi on l'ajouterait pas? Bah, je sais pas. Tu veux qu'on aille regarder chez Ware? Ça va, Maninou. Non, on met dans la frise, bah, après voilà. On va regarder ses œuvres comme d'habitude. Ok, donc on fait ça. On va les reposer. Elle est un peu rassurée, je pense. Ouais. Moi, je pense que je vais aller me chercher un fruit maintenant. J'étais sûr. À tout de suite. C'est un peu vide. Deal with me, hein. Ah, attends. Parce que les hucs d'hommes, ça passe. Oui, bah si tu regardes la nudité américaine et leur problème de censure, vous verrez que les culs d'hommes passent. La pornographie, c'est plus du côté des femmes. Sauf s'il y a un zizi. Quoi? On parle de zizi? J'arrive et on parle de zizi? Que se passe-t-il? Comme les tétons, exactement. Les tétons, c'est sexualisé en Amérique. En France, par exemple, ce n'est pas considéré comme de la pornographie ou faudrait que tu fasses attention à la batterie, juste. Excusez-moi. Et du coup, c'est pour ça, par exemple, qu'on a beaucoup de films où on peut voir des poitrines de femmes. Ça se voit de moins en moins parce que vous savez qu'il y a des associations de chrétiens extrêmes chrétiens, je sais pas comment on dit. En général, c'est ça, qui sont basés des à Versailles. Catholiques. Je sais pas comment on dit, c'est pas vraiment des extrémistes non plus. Enfin, si, c'est extrémiste d'une certaine manière. Qui sont basés à Versailles en général, qui censurent la plupart des films, ou qui essayent de censurer la plupart des films. Sens commun, je crois, ça s'appelle Sens commun comme association. Et du coup, qui essayent de bloquer ce genre de films, par exemple. Laisse passer les boulards de monsieur, mais ton automode me censure, Huck. Déduction, es-tu pire que Twitch? Alors, c'est Twitch, parce que là, c'est l'automode. Donc, c'est pas moi. Oh. Voilà, donc si t'as envie de te plaindre, je te propose d'aller voir Jeff Bezos directement. voilà. Non, t'inquiète. Moi, c'est. En fait, j'aurais pas bloqué Q de ma part, j'avoue. Ni Huck. Mais apparemment, ils ont fait un travail de ouais, de mais Boulard, ça passe au final. Le Boulard, c'est mieux. Quand même. Ça fait... Enfin, Boulard, non, ça fait un peu bizarre comme terme. Ça fait un peu vieux, en fait. Ah!
C'est ça, ça s'appelle du texte. Je vais aller chercher mon outil, hein, excusez-moi. Donc ouais, ouais, faut regarder, parce qu'en fait c'est ça, hein, Twitch est sous la loi américaine, donc la nudité américaine. N'oublions pas. Ouais, bah... Oui, c'est une longue histoire d'incompréhension, t'inquiète. De toute façon, c'est, tu sais, Nagual, qu'on se capte suffisamment pour que s'il y a un problème ici, soit je te le dise direct, soit de toute façon... Alors, 12 bis, ça c'est raison. Je saurais s'il y a un problème, quoi, tu vois, avec la modération. 12 bis, ça c'est raison que 13 bis a, que la raison ne connaît pas, je pense. Parce que il y a quand même, bah, y a quand même des paramétrages. Ouais. Voilà, après... Je l'ai pas... En fait, bah non, mais de toute façon, je l'ai déjà dit, hein, l'automode, c'est écrit partout, il est au maximum. Je veux voir aussi ce que Twitch permet et ce qu'il ne permet pas. Huck, par exemple, ça me paraît incroyable. Mais je trouve ça marrant. Ouais. Et de toute... Non, mais vraiment, je vais pas... Enfin, ça me paraît très bizarre de te jeter en l'air sur ce stream. Ah non, t'as trop de griffes, là, par contre. Excuse-moi, t'es en train de me tuer. Merci. Oui, mais toi tu es automode, toi tu es mode. Tu vois, c'est ça, c'est ça le problème. Mais sache que c'est un peu la même chose. Rappelle-toi qu'on a appris dans ton stream, petit cancan, que si on banne un modo, ah oui. une modo, et bien entendu, vous êtes démode direct. Vous êtes démodé, comme on dit. Oui, alors oui. Ah ouais, le cul est interdit ici. Alors le cul, non, moi ça me... Enfin, bon, vous allez comprendre que c'était un sujet pour moi ce matin. Voilà. Twitch et la nudité suite à l'écriture. Mais on, enfin, sur de l'article que j'ai entendu lire. Voilà. On continue ou bien ? Nous, on regarde ses œuvres. Ah oui, on regarde ses œuvres. Excusez-moi, je suis perdu. J'ai la tête dans le... Voilà, on peut continuer sur les blagues nulles. Ah. Ouais, tu peux peut-être retourner sur la page en anglais. Ouais, je pense qu'on va faire ça. T'es pas éloigné de... Ah oui, non, c'est parce que tu manges ta pomme. Okay. Bah, je sais pas... Non, mais c'est parce que quand je mange ma pomme, ça me décale, mais pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est... Alors tu vois Nagua, tu viens de donner des bases de me TO pour mardi prochain. J'apprécie. Alors on n'a pas de... Il y a pas de Wikimedia Commons en fait. Peut-être bon. Essayer, ouais. Soit aware, soit on regarde juste sur... Je vais regarder ici. Et t'as après, plein je de vais portraits chercher en tout cas. Ouais, c'est des choses que ça devient des... J'ai l'impression que ça devient compliqué en ce moment, mais... Ah, changer de page. Ah, mais tu vois, il est lourd. Il fait, c'est le seul truc qui... C'est le seul... Ah non, c'est Avast. Attendez. Mais je vais le jeter en l'air, lui. Casse-toi, pourquoi t'es toujours là, hein? Pourquoi tu me parles de l'Ukraine en plus? Pars. Mode silencieux, casse-toi. Casse-toi. Là, il débarque à chaque fois qu'on est en stream, quoi. C'est un délire. Voilà. Et maintenant, ça prend 600 ans. Parce que le site de... Ouais, en plus, il est lourd. Il n'y a pas. Bon, il n'y a pas. Voilà. Merci pour le aware, Wigo. Alors, du coup... C'est marrant parce que moi j'ai pas eu du tout d'idée de ce que ça pouvait être son travail. Bah moi non plus vu qu'il disait rien. Est-ce qu'on cherche dans côté grande taille parce que là... Georgia O'Keeffe Museum. Bah oui parce qu'elle était amie avec elle. Donc, par contre c'était pastel et fusain ils ont dit je crois. Ouais.
Donc du coup, Clamelu, tu seras là pour pouvoir voir ce Théo magnifique mardi prochain. Chez Petit Cancan. Le Théo de base à 19h avant que je puisse dire bonjour. Quand le live n'est pas lancé. Ouais. Ça, on va, apparemment, on peut acheter. Et elle est très connue pour, rappelons-le, c'est les boutons des fleurs. Blossom flower. C'est ce qu'il disait, mais du coup, c'est pas des bourgeons. Et nature fait. Morte. Bah, je sais pas, ça doit être. Qu'est-ce que c'est, Blossom? Blossom? Des jeunes pousses, peut-être. Enfin. Ils ont traduit fleur de fleur, donc. Ouais, c'est assez puré. Et après, celui-là, on dirait presque du spray, parce que vous savez, il y a les bombes des années 80, c'était beaucoup. Enfin, il y avait beaucoup de spray pour faire des pochettes de vinyle en général. Bourgeons. Des bourgeons ouais, en donc fleurs. On avait raison, alors du coup, ok. Bah, c'est pas trop des bourgeons en fleurs, ça, mais d'accord. Oui, c'est ça. C'est une fleur. Et c'est du coup, ouais, t'as dit que c'était quoi? C'était de la craie? Pastel, je crois. Pastel, bah ça se voit un peu. Hein. Là, ça fait beaucoup pastel. Ah, t'as vu ou pas que 12 bis était en faya une heure avant le stream? Parce que je faisais des tests sur le HUD. Mais ça, c'est censé être quoi? Ah, Shell in Landscape. Ok, donc c'est plusieurs, c'est deux coquillages. J'avais pas du tout compris que c'était des coquillages, mais d'accord. Ça, c'est du fusain, je pense. Mais du crayon, genre. Oui, ça ressemble. Je vous fais une... j'essaye de faire une sorte de petite note du chat, parce que j'ai vu qu'il y avait eu la date qui avait été réécrite. Donc je vais essayer de faire une note. Une commande note. C'est pas mal à penser à O'Keeffe, en effet. Ah, je me rappelle plus du tout du travail de O'Keeffe, moi. Bah, c'était des fleurs ZZ. Ah oui, c'est les fleurs ZZ, oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis... Comme ça. Mais on n'avait pas dit que c'était troublant parce que ça nous faisait penser à quelque chose, mais on savait pas exactement quoi, et qu'on avait gardé le mystère jusqu'à maintenant, en fait. Ah merde. Désolé. Ah, il n'y a plus artiste, pourquoi? Ah non, c'est peut-être que moi, attends. Non, c'est pas possible. Ah non, 12 bis, il a décidé de faire la grève. Encore? C'est demain la grève, wesh. Ah, et d'ailleurs, à droite de la photo sur laquelle t'es, il y a les broderies qu'elle faisait. Ouais. Donc, qui est le point traditionnel de sud-américain là, qu'elle a remis au goût du jour. Et elle disait que ça donnait vie à ces trucs, donc je sais pas trop. Est-ce qu'on peut réussir à zoomer, tu crois, dans cette photo pour regarder? Ouais, elle est grande, ouais. Ma poire, elle a une texture trop bizarre. On voit rien. C'est pas d'assez bonne qualité, ça. On dirait des croisillons, en fait. Mmh. Ok. O'Keeffe a fait des bâtiments aussi en forme de choses qu'on on savait pas trop ce que c'était la dernière fois. Ok. Bon, bah du coup, on a fait un petit tour. Hein. Il y a ça aussi, peut-être, ça peut t'aider. On dirait des V, en fait. Celui-là, il a l'air plus grand. Je sais pas si c'est une bonne qualité. Hein. C'est le même site. Non, si, c'est meilleure qualité. Regarde la qualité de broderie. Ben, je sais pas. En fait, t'en as un qui est en décalé. Ouais, c'est ça, c'est un... C'est une sorte de... comment on dit? Je sais pas, barbelé? Je sais pas, comment on dit? Je sais pas. Grille? Peut-être. Je sais pas pourquoi 12 bis, il fait la grève de artiste. Faudrait demander à... Emiolec. Je sais pas qui c'est. Ah, t'as tout fermé? Oui, bah oui, on a fini de tout faire le tour, je crois. Ok.
non? Ouais. Je sais pas ce qu'il a. Faut que je mette à jour, ça se trouve. Il fatigue. Non, mais 12 bis, il est fatigué, il est vieux maintenant. Tout le monde essaye du coup. Non, mais c'est bizarre. Attendez, je vais enlever la possibilité de le faire. Et je vais le remettre. Trop étrange. Parce qu'en plus, il lance les autres. Hein. Il lance les autres trucs. C'est juste que lui, là, il a décidé d'arrêter. Ah oui, mais si j'ai pu écrire artiste aussi, ça va pas aider. Bon, très, très étrange ce qui se passait. Faut peut-être que je mette à jour la streamerbot. Hermiole, une streameuse qui fait des broderies médiévales. Ah, tu peux. Ça s'écrit comme ça? Comme ça, je mets le. Faut que je note les trucs. Parce que la dernière fois, j'avais envoyé aussi les notes de ce qu'on avait vu dans la vidéo de Tamara, mais. C'est comme ça? Non, mais parce que j'ai mis Hermiole. Si, c'est ça. Hermiole, ok. 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 Qui fait des broderies médiévales. Ok, ok. Je me demande ce que ça est. Alors, la deuxième artiste de ce soir. Attends, parce que faut que j'ai pas fait le chapitrage tout à l'heure déjà. Je te prie. Faut que je fasse le chapitrage. Tu vois, il y a des trucs à faire quand même un peu. Ça aussi, ce serait bien que je puisse l'automatiser pour vous aussi si jamais vous avez envie. Ça m'évitera de le faire 15 fois. Hop, ça me permet. En fait, ça nous permettrait de perdre perdre moins de temps à chaque fois, à chaque artiste. Je pense qu'on est bon. Donc, la deuxième artiste s'appelle Violante Beatrice Siris, qui est née à Florence en 1709 et qui est morte en 1783. C'est une femme peintre italienne active au XVIIIe siècle. Comme sa période de naissance et de mort l'indique. Donc on va directement aller dans biographie, et Wikipédia nous indique que cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Donc on va sûrement avoir des informations parcellaires. Je pense que peut-être qu'on ira du côté italien du coup. Oui, peut-être, on verra. Donc elle est née, donc on a dit, en 1709 à Florence, elle se rend à Paris en 1726, où elle étudie auprès de Hyacinthe Rigaud et de François Boucher. De retour à Florence, elle épouse Monsieur Cerotti et poursuit ses études artistiques. Peintre talentueuse dans plusieurs genres, c'est comme portraitiste qu'elle excelle. Après la mort de son maître Giovanna Fratellini en 1731, elle réussit à obtenir le patronage de la famille Médicis à Florence, et obtient des commandes à Rome et Vienne. Alors je pense que Giovanna Fratellini, c'est clairement une femme. Elle l'a pas déjà faite? J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce visage. Moi ça me dit rien. Son travail le plus ambitieux est un tableau familial de 14 personnes de l'empereur Charles VI, le père de Marie-Thérèse, et trois de ses autoportraits sont conservés dans la collection des autoportraits du corridor de Vasari, à la Galerie des Offices. Dans sa maturité, Violante Beatrice Siris, devenue une professeure respectée, et parmi ses élèves figure Anna Baccherini Piattoli. Et ça, je pense qu'elle, je pense qu'on l'a déjà vue. Anna Baccherini Piattoli. Oui. Oui. Et je crois que sa page s'arrête à peu près là. Hein. Oui. Tu veux qu'on aille du côté italien pour voir? Ouais, et par contre, il y avait... Dis-moi. Non, Giovanna Pratellini, on a ouvert. Non, rien, bah c'est bon. Allons du côté italien. En haut, à droite, voilà. Hop. Allons du côté italien. Est-ce que la page, elle est... Ah non, c'est grand. Non, ça va. C'est pareil, je pense. Je pense que c'est traduit. Alors, direct. Attention, je vous dis... C'est une peintre italienne, ok. Elle est née à Florence. Elle est fille. Ok. D'un gars, Louis Siriez, qui était aussi le directeur de l'office
Bon, l'officio delle pietre dure di Firenze. Donc à Florence, elle fut donc l'élève ou la professeure de la pasteliste Oui. Giovanna Fratellini à la fin de 1000, enfin autour pardon de 1726. Année à laquelle elle a été transférée à Paris où son père a été nommé geôlier officiel peut-être à la cour française. À Paris, elle va étudier avec de nombreux maîtres dont à l'intérieur desquels il y avait donc ça on a vu Hyacinthe Rigaud et François Boucher. Il retourne à Florence. Donc la famille retourne à Florence en 1732 où donc Violante Béatrice va être acceptée quasi immédiatement à l'Académie des arts du dessin, pardon. Au même moment donc il y a Giovanna Fratelli. Alors je sais pas si successer ça veut dire succéder, mais je sais pas. Donc qui est à la cour Médicis qui va être Elle va être utile, elle va utilisée être. comme. Alors, ritratista, je sais pas ce que c'est, Je je me crois que souviens. c'est peintre. Dessinatrice, non? Et ritratto, c'est pas le peintre, la peinture. Portraitiste, portraitiste Ah officiel ouais, ok. de la cour de Médicis. Ok. Donc, pour faire les commandes des Médicis, dans l'année 1734. Elle va aller à Rome et l'année suivante à Vienne. À la même période, elle va donc épouser Giuseppe Serotti, fils d'un sculpteur de Florence. Oh, Rivingbelle! Bonsoir! C'était bien le CA de la production? Voilà, après, ils nous disent qu'elle va être aussi enseignante. Donc elle va enseigner. Ah, il y a une autre personne. Donc au sein de, enfin parmi ses élèves, il y a eu l'artiste florentine Anna Piattoli Baccherini qu'on a vu tout à l'heure et l'italo-anglaise Maria Hadfield Cosway. Qui est une artiste éducatrice italienne. Ouais, bah tu peux ouvrir, hein, je pense. Donc on nous dit qu'elle est morte en 1783 à l'âge de 74 ans. Alors, on va aller sur l'activité artistique pour regarder un peu. Je suis désolée pour ma traduction de l'italien, mais bon, Non, on c'est... te félicite au contraire. Ah bon? Que tu arrives à lire, c'est bien. Je suis dans les transports et éméché. Ah bah ça. Ah Ah bah. bah, ah, oh! Et le Eh. CA, on boit comme ça dans les CA, du coup. Franchement, ouais, c'est compliqué, hein. Et ça veut dire... Tant mieux. Tant mieux pour toi. Fais attention à toi dans les transports. Donc, on nous dit qu'elle a été surtout une. C'est moi qui bois, c'est Nibbler qui est OK. J'ai pas le OK. Elle a surtout été donc une pastelliste. Je sais pas si on dit comme ça, mais en gros Tu peux une dire pastéliste, tu peux dire. pastelliste Et et une portraitiste. portraitiste reconnue. Son travail le plus ambitieux, donc, c'est une peinture. Donc ça, on l'a dit dans la version française, là, le groupe de famille de Charles VI, là, d'Habsbourg. Ensuite, on nous dit qu'il y a trois de ses autoportraits qui sont conservés à la galerie degli Uffizi, donc ça, on a vu aussi. Alors, une de ses peintures à l'huile qui représente la Madone, avec son fils et Santa Maria Maddalena de Pazzi,
Saint-Mère Madeleine Voilà. de la piété, c'est ça, Piatti, je crois. Ouais, peut-être. Se trouve à la. J'ai entendu pastel. Oui, c'est pastel. Sacristia, c'est quoi? Sacristie? La sacristie, ouais. À la sacristie de l'église Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Donc là, mais tu viens pas de le lire déjà? Non, parce que ça représentait Santa Maria Maddalena dei Pazzi, mais c'est à l'église de Santa Maria Maddalena dei Pazzi. Ah, ça rigole pas, Voilà. hein, ça rigole pas. Donc, qui fait partie d'un espèce de complexe monumental au centre de Florence. Voilà, ils nous disent où c'est, Situato, alors c'est à Ah, Borgo pastel, Pinti. d'accord, le gâteau, ok. Oh. À Borgo Pinti, à l'angle de la rue della Colonna, la Via della Colonna. Donc, une autre de ses œuvres signée et datée se trouve toujours à Florence, dans le musée des Cappuccino. Attends, il y a les gâteaux, mais vous parlez du truc sucré ou du Mais l'un, portugais le. ou le pastel Ah! ou le pastel Salé salé marocain. c'est pas que marocain. Non. Mais oui. Pastilla, non, parce Il y que a c'est les pastilla. pastillas, c'est pas Oui, mais les. je sais pas, on ne dit pas pastel aussi? Non, les pastels, c'est les trucs. Les gâteaux flan Oui, un c'est peu, là. OK. Donc, oui, il y a là aussi, donc, une œuvre qui est au musée des Cappuccini. Et une toile aussi qui représente Saint François d'Assise et qui vient. Ouais, j'ai pas envie de traduire. Ok, très bien. du Voilà. con, du con, alors du couvent de Capucine de la Montevarchi là. Ah ouais, l'ex-couvent des Cappuccini di Montevarchi. Est-ce qu'on a une date? Parce que moi j'ai cru entendre parler d'une date au début avec son tableau là. Tu vois, Ouais, ça c'est 1735. son travail le plus ambitieux, ouais. 1735, c'est bien. Ouais, vas-y. Hein. Comme quoi, en lisant un peu d'italien. Après, il n'y a pas. Ah non, c'est pas elle qui est rentrée à la cour de Médicis, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Si, bah si. Elle est rentrée à la cour de Médicis, mais est-ce que... Oui, c'est vrai que c'est un gros travail de mécène, donc oui. Oui, bah la cour de Médicis, c'est Mais mieux. c'est 1734 en même temps, donc Mais bon. c'est plus tôt. Ah non, c'est pas la même chose. Ah, la cour de Médicis, c'est là, non? Non, ça c'est sa famille retourne à Florence, elle rentre aux Beaux-Arts. La cour de Médicis, c'est peut-être après. Non, mais c'est ça, même 1735, c'est très bien. La cour de Médicis, si, c'est bien, hein, si c'est avant Oui, 1735. mais on trouve pas. Bah, des Médicis, il faut ch juste chercher des Ah, Médicis. attends. Oh, j'ai vu une date. Non, mais t'es allé trop vite, il faut arrêter de bouger. C'était en bas. À Paris. Non, c'était en bas. Voilà. Pour enseigner Voilà, la 1731. connaissance des Médicis en 1900, en 1734, là. Oui, mais en 1731, elle rentre dans la cour de Médicis. Ah, ok. Mais je sais pas si c'est elle ou si c'est Giovanna Fratellini. Hein. Tu vois? Elle succède à Giovanna Frantellini, donc du coup, si. C'est ça, oui, mais successe, ça veut pas forcément dire ça. Donc c'est ça que je. Est-ce que c'est du. Mauvaise traduction? Après la mort de son maître, elle réussit à obtenir le patronage de la famille Ok, Médicis. 1700... donc 1731, elle est morte en 1731, on va dire ça. De Médicis, ouais, c'est ça. Aïe, 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 ça commence. Bon, on a demandé en même temps, on a demandé, on a eu. Tu as demandé, hein, Ouais, je j'ai le dit rappelle. Hein. qu'il n'y aurait pas de blague ce soir parce que t'étais pas là, Ringbell, mais du coup. On t'attendait, je t'attendais, pardon. J'inclus pas tout le monde parce que sinon après on me crie. Lol. Donc 1731. La Bah non, en fait, Madonna. je vais regarder le HUD. Hop, 1731. Excusez-moi, j'étais en train de chercher des... Putain, le. Ah, c'est ça la toile là, on la voyait sur le côté. Ouais, bon, on va regarder après. Nous, on le voyait, mais personne d'autre. Ah, pardon. 1731. Ah, bah Mais c'est y a rien en bizarre, il y a même temps rien en en 1900. 1700. C'est trop Que bizarre. dalle. Pourtant, il doit y avoir un masse de people, hein, parce que c'est le début de toute l'histoire que l'Occident se forge avec les Médicis, quoi. Donc, Oui, du mais il n'y a coup. pas forcément beaucoup de femmes artistes qui ont qui sont
qui sont connus, tu vois. Ouais, qui sont archivés. Est-ce que tu veux expliquer ce qu'est la cour de Médicis un peu? Non. Bah, tu peux dire quand même que c'est c'est des mecs qui avaient plein d'argent et qui finançaient plein d'artistes, quoi. C'est The Place to Be, tu vois. La notabilité, la politique culturelle de l'Italie, de l'Occident. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient à la cour de Médicis. Hein. Beaucoup de rapports politiques, des gouvernements potentiellement payés. Voilà, si vous connaissez un peu le gouvernement français, vous pouvez transposer, c'est la même chose. C'est un peu ça, quoi. C'est pas de la bonne vulgarisation que je fais. Hein. Mais est-ce que t'as le droit de s'appeler violente? Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. Tu t'appelleras violente. Le mot Sénat. Alors le Sénat c'était avant, je crois, par contre. Parce que ça vient de l'Antiquité romaine aussi, le Sénat. Et avant, grec, il me semble. Le mécénat de l'époque... Ah, c'était la blague mécénat. Ouf, je suis fatigué. Mécénat de l'époque, ouais. Petit trafic d'influence, t'inquiète. Si vous avez joué à Assassin's Creed, vous avez sans doute dû rencontrer un des Médicis. Hein. Surtout le début avec, avec le 1, 2, 3, je crois. 1, 2, tout plus simplement. Parce que vous avez des petites tâches à faire pour les Médicis. Mm-hmm. Genre assassiner des gens. Genre assassiner des gens, oui, entre autres. Mais bon, vous savez que c'est de la fiction, hein, Assassin's Creed, je rappelle. Loin d'eux, bien entendu, d'organiser des tueries en plein milieu de Florence, bien entendu. Lol. Je suis sûr qu'on peut trouver ça facilement, en plus. C'est ça le pire. Ring Bell, ça a l'air bon, ce truc, on peut goûter. Le mécénat. J'aime bien comment vous répondez. Attendez. Le Hitman de l'époque, le Hitman en costume de l'époque, exactement. D'ailleurs, je suis un peu motivé à faire du Hitman. Parce que j'adore me faire... Pardon. C'était pas drôle. Dane. Oupsi. Prochain arrêt, j'ai envie de dire, Ring Bell. Ça va, c'est pas comme si c'était un arrêt de la ligne H en Île-de-France. Hein. Deux arrêts. Deux arrêts. Trois. Non. Bon, bah, courage à Ring Bell de rentrer chez soi. Ça a l'air dur. Encore un tour. En plus, je crois que c'est des boucles là où t'es. Après, moi j'avoue que si je rate deux stations pour rentrer, j'ai seum quand même. Non, j'ai archi le seum. Moi je m'en fiche, hein. J'avoue que c'est pas un truc qui me... Ah, mais on n'a pas regardé les œuvres. Attendez, j'ai fermé sans faire un exprès. La réactivité de temps est méchée en regardant un stream et en faisant des blagues. C'est compliqué. Je pense que là, on est à peu près sur 15 secondes. 15 minutes. Non. La réactivité, normalement, sans boire, c'est une seconde. Quand on a bu, c'est 3, je crois. Non, mais il y a des moments où tu peux vraiment louper tout. Oui, bah... Enfin, moi, j'ai déjà loupé des stations sans être éméché. Tu veux en parler? Demi-tour à pied. Moi, c'est ce que je fais en général. Au bout d'un moment, je me dis, vas-y, c'est bon. Moi, quand je rate des arrêts, c'est plus... Mon cerveau, il fait genre, ah, je crois que je suis bientôt arrivé. Après, mais... tu dis... Je regarde le nom de la station, je vois ça se ferme, je fais « Bah non, c'est pas encore celle-là, c'est celle d'après. » Et après, je regarde le truc, « Ah bah non, c'était celle d'avant, mais je suis déjà parti, du coup, c'est... j'ai raté deux stations, en fait. » Voilà, ça m'arrive des fois. Donc, ça doit être un autoportrait. C'est un autoportrait, ouais. C'était l'autoportrait qui était dans la page Wikipédia. Mm-hmm. Ça, c'est une personne... c'est elle aussi. Non, elle se ressemble pas. Cyrus Cerruti. Bah, après, tu sais, elle peut être belle quand elle fait ses autoportraits et moins belle quand... Bref, okay. Non, c'est trois jeunes filles. Portrait du comte Claude quelque chose. Wow. Merci, 12 bis. Merci de faire la pub. Il a envoyé trois fois les trucs, non? Comme d'hab, non? Non, chronologie, c'est bon. Femme artiste, c'est bon. Il y a le biais. Il y a la liste. Femme art.
Il y a l'artiste. Non, c'est bon. Tout est bon. Portrait du comte Claude. Il a l'air d'avoir un livre. Donc l'œuvre en entière. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, on dirait qu'il n'y a pas masse de photos, par contre. Ah, ça, c'est les mises en situation. Tu veux une œuvre chez toi? Regarde, elle fait cette taille. Alors, curieux. Franchement, c'est combien de mises en... Enfin, après, c'est de la modification de photos, ça. Des fois, ils font ça au-dessus d'un canapé et tout. Il y aurait marqué Shutterstock, ça ne me choquerait pas, quoi. J'ai découvert avec déclaration... La délectation qu'ici, le tram, faut demander l'arrêt. Quoi? Non. Ça existe? Mais non. Si ça existe, apparemment. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est vrai que... Ah, Clem Lelu, toi, t'es en voiture, juste, ok. Bah, courage aussi, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, quoi. Ouais, bah... Bon, après, il y a des détails. Ouais, ça, c'est d'habitude, ça, c'est des trucs de travaux, de recherche, avec les détails de tout. Parisien spotted, qui? Qui est parisien ici? Je vois pas de qui vous parlez. Parisien ici? Non, pas du tout. Qui c'est les parisiens? Pas du tout. c'est quoi? C'est parisien à Paris et... non, c'est parisien en dehors de Paris. Et banlieusard à Paris. Hein. C'est plus ça ici. Giovanna Frantellini, c'est celle qu'on vient de découvrir. Qui a été active à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. C'est une peintre, donc on peut la rajouter. Tu l'avais pas déjà rajoutée? Mais non. D'accord. Maria Cosway. On l'a déjà regardé. Mais non, on vient de... Mais on l'a ouvert tout à l'heure, on a regardé si c'était une peintre, on a dit on la garde. Mais tu l'as pas mis dans les fiches. C'est ce que je viens de dire. Bon. Donc là, c'est notre... je pense qu'elle est pas du tout française. Marie-Elisabeth Laville-Leroux, je pense qu'elle est... Elle doit être suédoise, je pense. Il y a des Suédois qui doivent s'appeler comme ça, je suis sûr. Mais ouais, d'accord. T'as raison. T'as raison, parce que quand tu lis la deuxième ligne, tu sais. Lis la deuxième ligne, tu vois. Tu veux dire, où le roux? Ah non, elle a plein de noms. Ah, c'est pas fini. Non, non. Marie-Elisabeth Laville-Leroux, ou Elisabeth-Charlotte Leroux, ou Leroux de la ville, pour l'état civil, née le 27 mars 1769 à Paris, et morte le 23 juillet 1842 à Bièvre, est une peintre française, élève de David en 1787. Sa biographie. Alors, excusez-moi, parce que j'ai un peu mal au cul. Voilà. Est-ce que tu peux avancer la page, s'il te plaît? Si tu veux changer de scie... Ouais, si je pense que je commence à avoir mal au dos. Vas-y. Tu veux que je t'aide? Non, c'est bon. J'ai pas besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. Aïe. Au revoir. Au revoir. Adieu. Tu apprends avec. Oh. Tu veux de l'aide ou comment il ça se passe? Il faut que je fasse quoi? Tu veux prendre ça? Bah oui. Ah non, mais d'abord, ok. Ah d'accord. Petite pause, on revient parce qu'il faut aller changer d'assise. Ok, je ne comprends plus rien à ce qu'on me dit. Et je crois qu'on n'essaye pas de me dire des choses. Donc j'arrive, d'ici quelques secondes, je vous remets un petit peu la musique. Ah, c'est ma tête ça. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je reviens, à tout de suite. Je vous mets la musique. Attendez, parce que ça commence à faire du bruit à côté. Ah ! J'arrive.
Heureux. Bon, c'était marrant. Ah, j'en peux plus. Bon, on continue, hein, on fait comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Donc, on en était à élève de David. Oh, pardon. 1787. Alors. J'en peux plus. Biographie. Aïe, aïe, aïe. Biographie. Sa mère, Marguerite Marie Lombard, était originaire de Toulouse. Son père, René de Laville-Leroux, originaire de Bretagne, fut ministre des Contributions en 1792. Elle est la sœur de Marie Guillemine. Guillemin ? Non, Guillemine, il y a écrit. Et un E, alors. Oui, quand on est bas, faut que tu me dises aussi. Et pourquoi Marie Guillemine, c'est écrit en bleu ? Parce que peut-être c'est une artiste. Ben, c'est une artiste. Elle participe aux expositions de la place Dauphine. Ah oui, la musique est toujours trop forte, excusez-moi, 2 minutes. Ah, c'est mieux, non. Vas-y, vas-y. Donc, elle, au pluriel, participe aux expositions de la place Dauphine en 1786, où Marie-Élisabeth expose une dame en satin blanc garnie de martes. En 1788, Artémise serre sur son cœur l'urne contenant les cendres de Mausole. En 1789, un vestal infidèle. En 1791, elle expose Artémise au salon de l'Académie. Donc on a comme date 1786 pour l'instant. Le 13 Ventose en 2, elle épouse le chirurgien Dominique Larrey. Elle signe ses peintures Larrey lorsqu'elle accompagne son mari dans ses campagnes napoléoniennes. Fin de la page. Alors, il y a Clément Lulu, j'ai pas compris ce que tu voulais dire par la guitare, je m'en rappelle, on l'a vu. Mais du coup, je comprends pas le rapport à la logique. Musique, toujours là, oui, non. T'as réussi à sortir de ton. Oui, c'est une bonne question, ça, Ingmel. Est-ce que t'as réussi à sortir et lâcher cette chèvre? Pourquoi chèvre? Ah, véler les mains. Oh. Oh là 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 là. Mais quel niveau! Ne bougez pas. Personne ne bouge. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, heureusement, mon arrêt est avant chez moi. Ah bah c'est cool. Deux arrêts plus loin, c'est qu'un arrêt et demi après. Trop compliqué pour le soir à l'arrêt humain. Ok. Donc il n'y a pas grand chose, hein. Bah on a quand même la date de première monstration et puis on a trouvé sa sœur. C'est vrai, c'est vrai. Je prépare ça tout de suite. Là, ça m'a bien fait rire cette histoire de changement de chaise. C'était bien. Oh, mais je me moquais pas de toi. Non. J'ai rien dit, hein. Moi, je suis concentré. Mais... je me moquais pas de toi. Bah, regarde, il y a Marie-Guimeline Benoît. Benoît, là, elle est encore en bas. Mais je crois qu'on a déjà fait Marie-Guimeline. Bah ouais. Parce que avec Benoît, comme nom de famille... Alors, moi, j'aime bien que... Je vous assure que dans ma tête, ça fait send, ça fait envoyer, j'aime bien. Alors que son, c'est un peu moins rigolo. Ouais, heureusement, on a... Oui, oui, bah, je comprends, t'inquiète. Donc, je crois que Marie Guimeline, on l'a fait. Je vais vérifier vite fait. Parce que je crois qu'on l'a fait. Voilà, Marie Guimeline Benoist, on l'a fait. Ah, bah, voilà. Donc, on l'avait fait, et c'était dans l'épisode 4, avec Georgia O'Keeffe de la saison 2. Bah, c'est elle, c'est là qu'on a dû trouver, d'ailleurs, cette page-là, je pense. Je pense. Donc, ça veut dire qu'on a tous les... Dans les 99, les premières des onglets, c'est les dernières qu'on a mises. C'est bizarre, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ça veut dire que si tu mets un onglet, tu le mets en haut. C'est bizarre. Normalement, non, ça devrait être en bas. Pas. Donc, 1786, la date. Ouais, 1686, c'est ça? 1786. Ah bon, on reste dans les 1700, c'est bien. Je sais pas pourquoi j'ai remis le HUD, mais on va l'enlever, hein, excusez-moi. Ça m'a fatigué de changer de siège, dis donc. C'est vrai, hein. Mais tu sais que ça m'a tué. Parce que en fait, j'ai tellement rien compris sur l'ensemble de ce que tu voulais faire, c'est beau. Je sais pas si c'est la fatigue, d'ailleurs. Bon, mais je me suis peut-être pas comprise moi-même, hein, tu sais, ça. C'est 1700 combien?
86. Pourquoi je zoome dans une page qui n'est pas là? 86. Oh, bon, c'est... Ça, et Marie Guémine Benoît sont intro en 84. Bon. Bah, c'est possible. Okay. Non? Ouais. Ah oui, non, parce qu'elle a un nom à 6 millions de kilomètres. Mais qu'est-ce qu'elles ont, toutes les dames, là? Elles avaient c'est des que noms, des Marie, là. Marie, Marie-Geneviève, Marie... C'était l'époque où tu t'appelais Marie Trucmuche? Oui. Donc moi, je pense qu'on va prendre toute cette place-là avec notre nouvelle artiste. Alors, je crois que je l'ai remplacée, donc normalement, ça devrait être bon. Voilà, Marie-Elisabeth Laville-Leroux. Oh. Voilà. Il y a des trucs qui se passent bizarrement, mais on va dire que ça fonctionne. D'accord. Elle a décidé de me casser la tête jusqu'au bout. Pourquoi c'est dans un groupe? Je ne sais pas. Voilà, voilà. Oh, le chat. Bonjour. Ah! Bonjour, Jellib. Comment allez-vous? Hello. Vous arrivez avec le chat. Bienvenue. J'espère que c'était bien. T'étais toujours sur Zeldouve. Bonne arrivée, Raving Bell. Bonsoir, Titi Léoué. Vous ici, cela m'étonne. Miaou. Bonjour Delphéa, bonjour Jellybee. Bonjour tout le monde. Et toujours des cœurs pour Jellybee qui a, je tiens à préciser, été chez faire un stream. C'était ce week-end ou début de la semaine, je sais plus. Non, c'était ce week-end, je crois. Parce que je suis passé vite top en lurk pour. Qui a fait un live sur Afro Gameuse. Voilà, donc du coup, je crois que. Je sais pas si Afro Gameuse, j'ai fait déjà j'ai fait des SO déjà, mais je sais plus. Au début, je sais plus si j'ai transformé avec StreamerBot le truc. Donc je vais faire à l'ancienne, c'est-à-dire en écrivant le numéro, le Twitch TV. N'hésitez pas à mettre le lien dans le chat hein, si vous voulez. Du coup, oui, c'était mardi, voilà. Donc je me disais bien, c'était il y a pas si longtemps. Voilà. Allez voir le replay, comme on dit. Et surtout, suivez la chaîne Afro Gameuse. Mais surtout, allez aussi suivre la chaîne, bien entendu, de Jellybee. Voilà. Et du coup, on va mettre Afro Gameuse. Merci, petit cancan, t'es allé plus vite que moi. Merci. Pour voir un aperçu du stream aujourd'hui. Oh, il y a un petit... Clip par Choublack, je sais pas si Choublack t'es dans le coin, bah merci d'avoir fait tourner. Il y a l'été du Go, voilà exactement. J'imagine que c'est en référence à une chanson peu connue dans le monde. Ah, si vous êtes prêts mentalement. Moi je regarderai en dehors du stream, je t'avoue, on va continuer le nôtre. Et du coup, oui, Titili, oui, bonjour, bonjour. Je vous ai pas envoyé des cœurs, mais bien sûr, je vous envoie des cœurs actuellement. Voilà. Je crois que c'est ici qu'il y a de l'interaction et qu'on peut vous envoyer des trucs. Attendez. Ça va apparaître dans le normalement. Voilà. Des cures. Et bien sûr, Delphéa. Merci pour ce week-end aussi. Qui était sur l'endostream. C'est vachement cool. Avec de la discussion en début et en fin, il me semble. Et pendant les jeux aussi, bien entendu. Sur l'endométriose. Et si on fait des nouvelles emotes pour la chaîne? Oh, c'était cool. Yannina qui est en train de me manger les cheveux. Le clip qui va... Salut, Fellow. Le clip qui va spread partout. Voilà, voilà. Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde. Je crois. Ah non, Facing Words, salutation. On essaie de dire bonjour à tout le monde. Histoire 2. Ça va, pas trop traumat. Ah, sur le clip. Il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Aou aou. Mais le chat, tu fais quoi? Bon, il y a un chat qui vient de se pointer. Elle me fonce dans la tête. Nina Nibbler Alone, exactement. du coup, on va continuer, hein, peut-être. Donc, nous, on est en train de faire une chronologie des femmes artistes. Si vous avez besoin de savoir quels sont les biais de cette chronologie, l'objet, ici. Et si vous voulez avoir nos biais à nous, d'humains,
c'est de chez Cybertopia, avec Anartube. Donc allez voir Cybertopia, et bien sûr allez voir Anartube, qui sont aussi des chaînes incroyables de Twitch. Hop. En plus, il y a une vidéo d'Anartube qui arrive demain, je crois, sur les autocollants. Donc j'imagine que ça va être cool. Moi, j'aime bien les autocollants. Un love gun. Voilà, plein les yeux et les oreilles, ok, ok, je leur qu'avant d'aller me faire manger, bah, bonne nap dans pas longtemps, j'imagine. Nous, on était sur, du coup, des artistes à long nom de 1700. Actuellement, on est un peu dans la période, je crois qu'on est tombé sur une sorte d'époque un peu longue de 1700. Mais je te laisse la parole, parce qu'on était sur ouais, notre ouais. Cher... Je vais essayer de faire abstraction du fait que je suis en train de me faire agresser là par, par un chat. Qu'est-ce que je dois faire quoi? La date? Non, on a trouvé la date. On a trouvé la date, on l'a faite, c'est bon, c'était pendant le live. Il faut voir les œuvres. On était sur Marie-Elisabeth Laville-Leroux, vous avez un petit. Soit sur le Frama, soit sur, bien sûr, l'artiste, la commande artiste. Et du coup, on était en 1720. Hop, je reviens à la base. Et du coup, on avait fini, on était en train de regarder les œufs, parce que c'est ce qu'on fait aussi après. Et après, on pleurera, parce que je crois qu'on est la dernière artiste de la semaine, non, je sais pas. Ah, on a un petit follow. Merci, Face in Wars. Merci. Merci, j'espère qu'on va te proposer des contenus de qualité qui ne revient que à chronologie des femmes artistes en qualitade. Paysage. Voilà. Ok. Mais ça, est-ce que c'est elle ou c'est sa sœur? On ne sait pas. Ce qui a écrit Marie-Guinouine de Benoît. Non, mais ça, c'est Marie-Guinouine de Benoît ce qu'il a fait. Ouais. Je comprends pas, on va peut-être rien avoir, hein, parce qu'en fait, on a. Bibliothèque de la mec, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qui c'est que ça fait, qui a fait ça? Bah, en tout cas, à part la première œuvre. Alors, on va peut-être chercher du côté de Weir. Ou l'arrêt, tu peux mettre parce qu'elle s'appelait comme ça. Non, c'est sa sœur. Là, tu dis, c'est que sa sœur? Qui a épousé, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Fou Marie, pourquoi? Il y a vraiment un site qui s'appelle Qui a marié les gens? Bah oui. Alors que le meilleur site, tout le monde sait, c'est Qui a samplé qui? C'est vrai que ce stream a sa qualité à lui. Ah bah, je sais pas. En fait. Des fois, je me pose des questions à moi-même. Non, bon, mais il y a que sa sœur. Ouais, il y a que sa sœur. On va aller voir, on va checker du côté de ouais. Mais je pense qu'on va pas trouver grand-chose. Alors, j'ai fermé. Voilà. Aware. Donc si vous voulez aller voir Aware, c'est par là. Nous, on a besoin de l'art. Ah, j'ai double-cliqué, mais pourquoi? Voilà, merci. Et donc ça, c'était quoi? C'était femme artiste, bannière de la bibliothèque. Donc là, on sait toujours pas qui c'est, en fait, qui l'a fait. Non. C'est bien de faire un article sur les femmes artistes et de... Ah, Nisa Villiers. Portrait résumé de Madame Soustrasse. Oui, la sans son chausson. C'est pas celle qu'on cherche. Ce n'est pas du tout la personne que nous cherchons. Est-ce que c'est là? Non. Rullier aussi. Guilmin, bon, en plus c'est Guilmin avec un H en plus mieux. Je suis pas sûr que ce soit la bonne écriture puisqu'on n'était pas tombé dessus. Donc du coup, là, par exemple, on a la date de monstration, mais on n'a pas d'image, donc du coup, on considère qu'on le met quand même dans la frise, en fait. Bah hein. Ouais. D'accord. Bah ouais. Parce que on avait déjà eu des trucs où il n'y avait pas eu trop d'images, je crois. Genre, Art par Artemisia, mais c'était Boutades, mais on n'avait pas la date de monstration de Boutades. Parce qu'on avait des images, on en avait qu'une. Parce que les femmes artistes de l'Antiquité, le problème, c'est qu'il y a très peu de traces. Plus que les autres. Donc on peut avoir une trace d'un reste d'un vase ou je sais pas quoi, mais il n'y aura jamais de date autre que une date carbone qui nous intéresse pas trop, parce que nous on essaye le moment où c'est rendu public, quoi. Donc c'est autre chose.
Est-ce qu'on continuerait par Fedegalizia ou tu veux qu'on s'arrête maintenant? Parce que je sais pas, il est quelle heure? 22h30. Non, on peut faire Fedegalizia. On en a fait que 4, 3 là, non? 4. Ah ouais? Oui. On est allé vite là aujourd'hui. Attends, j'enlève nos onglets. Alors, si vous voulez savoir où on en est, je peux vous montrer. Comment qu'on avait fait pour vérifier? Voilà. Tout ouvrir, il y a marqué 97 ici. Ah, vous voyez pas, attendez, faut que je cache la cam. Là. Et regardez, hop, si je fais un clic droit, hop, tout ouvrir, 97 onglets. Ça veut dire on qu'on a avancé deux de 2 en 2 semaines. Ce qui ouais. est faux en fait, on a fait 8 artistes, sauf qu'on a dû en trouver 6. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est une chose qui n'avance pas du tout. Bon. Bon, ça, arrête, tu te la pètes un peu beaucoup, hein, je trouve. Un peu beaucoup le chat. Hein. Ouais, de ouf, je sais pas ce que t'as. Aujourd'hui, c'est... Elle veut récupérer, je crois, la chaise. Elle veut récupérer la chaise. Elle dit, je crois que c'est à moi, en fait. Lol. Bon, Ninou, on fait la dernière artiste, si tu le permets. Donc, Fedegalizia. Fedegalizia, ou Fedegalizzi, née à Milan en 1578 et morte en 1630, est une femme peintre italienne de l'époque baroque qui a été active au XVIIe siècle. Donc, voyons sa biographie. Je finis mes mises à jour, ça te dérange pas trop? Non, ça me dérange pas. Du coup, ça va être tweeté, hein, parce qu'on fait aussi en tweet, rappelez-vous. Et ça, je crois que j'avais oublié de le préciser. Tu vas aller là? Non, s'il te plaît, elle va m'exploser l'épaule. Déjà qu'elle m'a explosé la moitié d'un endroit fragile. Hop. Je suis prêt. Pardon. Fedegalizia apprend la peinture dans l'atelier de son père Nunzio Galizia, originaire de Trente, peintre miniaturiste à Milan. À 12 ans, elle maîtrise la gravure. À 20 ans, elle a une réputation de portraitiste qui dépasse les frontières. On est sûr qu'on l'a pas faite, Fedegalizia. Tu veux que je vérifie? Ouais. D'accord. Je vérifie. Alors, pour vérifier, contrôle F. Ah non, c'est moi qui viens de la rentrer. Ah, contrôle F dans Framapad. J'ai eu peur, hein. S'il y a une autre arrivée que le dernier épisode dans lequel on est, ça veut dire que c'est déjà fait. Voilà, et là, c'est que le dernier. Donc, du coup, c'est bon. Très bien. En 1596, elle réalise une Judith et sa servante. Elle exécute plusieurs commandes pour des églises à Milan, dont le retable pour l'église Santa Maria Maddalena. En 1630, elle meurt à Milan de la peste qui ravageait l'Italie. Alors, caractéristiques de son œuvre. Tu montes un peu la page comme ça. Ça discute du chat. Hein. Ouais, bah, elle pose, donc... En 1965, Stefano Bottari constitue le catalogue de ses œuvres. Il lui attribue en majorité des natures mortes, alors que sa réputation de son vivant est basée sur le portrait. Sa peinture est associée par le style et la simplicité à la peinture de la contre-réforme. En 1595, le jésuite Paolo Morigia lui commande son portrait. Ce tableau est aujourd'hui perdu. Un second tableau, réalisé en 1596, montre Morigia assis à son bureau, venant de terminer un poème. Fedegalizia fait le portrait du jésuite dans une tradition naturaliste du nord de l'Italie. Morigia regarde le spectateur. Il est peint sans artifice en reproduisant rides, strabisme et rictus. Ce tableau rappelle les œuvres de Lorenzo Lotto. Elle peint aussi le portrait d'Hippolyte Trivulce, première princesse de Monaco. Elle a reçu plusieurs commandes publiques pour des retables dans les églises milanaises et notamment le Noli Metangeli, 1616 Milan San Stefano, fait pour l'autel de l'église Santa Maria Maddalena. Lorsqu'elle ne peignait pas de portraits, Galizia peignait principalement des natures mortes, un genre dans lequel elle se révéla une pionnière et par lequel on se souvient d'elle le mieux. Bien que très peu de sources contemporaines mentionnent les natures mortes de Galizia, elles constituent la majorité de ses œuvres survivantes. 63 œuvres ont été cataloguées comme la sienne, dont 44 sont des natures mortes. Je pense qu'il faut que tu montes un peu.
Sa seule nature morte signée et connue, faite en 1602, est la première nature morte datée connue par un artiste italien. Ça, je pense que c'est important comme date, par exemple. Mmh. Cependant, ses peintures n'ont reçu la reconnaissance qu'elles méritaient que bien dans le XXe siècle, quand une attention particulière a été accordée à son travail par les études réalisées en 1963 et 1989. Tu peux pas lui monter comme ça sur Nibbler. Pas maintenant, Nina. Mais oui, mais pas maintenant, tu peux pas lui monter dessus pendant qu'elle est en train de raconter les histoires. Ce sont ces natures mortes qui font penser aux natures mortes de Zurbaran qui passeront à la postérité. Fede Galizia est avec Clara Peters à Anvers et Louise Moyon à Paris, l'une des premières peintres de natures mortes. Alors du coup, on peut s'ouvrir Clara Peters et Louise Moyon, je pense. Des premières peintres... flamandes et... ouais, de nature et morte. Et françaises, apparemment. Jan Bruegel, présent à Milan, peint des fleurs, mais pas c'est des Jan, natures mortes. C'est Jan Bruegel. C'est, tu sais, celui qui a fait les processions tout cavalerie, là. Tu sais, les trucs avec les enfers et tout. Mais c'est ça, je crois. Le peintre baroque allemand. Si, c'est ça. Ok. Mais tu es en train de t'emmêler dans les fils, donc j'essaye de te sauver un peu. Hein, la nature morte. Les natures mortes de Fede Galizia présentent généralement une corbeille de fruits, panier de pêche ou de pommes avec quelques fleurs coupées. Ces natures mortes influencèrent Giovanna Garzoni. On ne connaît pas Giovanna Garzoni non plus. Oh, on vient de perdre notre avancée. Ah ouais, là, c'est fini. Aïe, 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 nature morte. On a ouvert le panier à nature morte, c'est cool. Alors, les œuvres récemment découvertes ou réapparues sur le marché de l'art. Le 6 avril 2006, une nature morte avec des pêches est vendue 1 648 000 $. C'est pas mal. C'est archi pas mal pour des natures chez mortes. Chez Christie's à New York, une autre nature morte, pêche dans un panier percé en faïence blanche, est vendue le 6 juillet de la même année par Christie's à Londres pour 680 000 livres. Le 8 juillet 2015, une nature morte représentant un plat en verre aux pêches, fleurs de jasmin et pommes, est vendue 1 565 000 livres chez Sotheby's à Londres. Dépêche de vendre ta nature morte, c'est beau. Hein. Le 30 janvier 2019, la nature morte représentant un plat en verre avec des pêches, des fleurs de jasmin, des coins et une sauterelle, précédemment vendue le 6 avril 2006 par Christie's, est vendue 2 415 000 dollars chez Sotheby's à New York. Alors on va regarder on va regarder les tableaux, mais vous allez être choqués des prix après. Hein. Ouais. Parce que les natures mortes, c'est particulier. En général, les gens, je pense, ne sont pas prêts à mettre 2 millions. Un panier percé, ouais, c'est ça. Donc après, il y a des certaines œuvres principales, voilà. Et donc, du coup, voilà, les natures mortes. On va regarder vite fait. Hein. Donc ça, c'est un portrait, c'est pas une nature morte. Oui, Paolo Morigia. Avec des rides et tout. Donc voilà, ça, c'est 1 million. J'espère que vous appréciez. Franchement, ça les vaut, on dirait presque une vraie corbeille. Moi, j'aime bien la couleur des pêches, hein, j'avoue. Mm. Voilà, 1 million. Ça, c'est classe quand même. Hein. Tu vois, t'as travaillé chez Watt, t'as mangé des pêches en même temps. Tranquille, 1 million. Hein. Cerise dans une compote d'argent aux pommettes. Ah, donc ça, une compote, c'est un type de plat ? Apparemment. Je savais pas. Et ça, c'est le truc à 2 millions ? Non, c'est avec des coins. Le jasmin. Ouais, il y a des coins, là. Ça, c'est des coins, non ? Il dit plat en verre, en pêche, fleur de jasmin pommes. Et de pommes. Ça ressemble pas à des pommes. Hein. Pommes de 1607, elles avaient pas la même tête. Hein. Ok. Tiens, c'est ça, hein, mais c'est 2 millions. Ouais, mais c'est parce qu'il y a une sauterelle. Ouais, moi, je pense 1 million pour la sauterelle, au moins. Au minimum. Attendez, on va agrandir, parce que... Faut accepter que là, qualitativement parlant, on est au-dessus du lot. On voit pas grand-chose, hein, mais j'espère que vous appréciez. Montrons la sauterelle. La sauterelle. Voilà. Voilà. Qualitad, hein, quand même. On peut zoomer encore plus, hein, si vous voulez. On va Est-ce que c'était bio, les pommes ? Je pense qu'il n'y avait pas de pesticides à l'époque. Alors, du coup, Il y avait de l'engrais, quand même. Il y a du caca et du pipi, peut-être, dessus. Oui, hein. Mais par défaut, du coup, c'est bio. Oui. D'ailleurs, je me demande si quand on fait pipi sur ces légumes,
Est-ce que c'est validé dans le pacte pour rester légumes bio? C'est une bonne question, hein, parce que... Ça dépend de du pH. Ah ouais, je pense qu'il faut tester son pH. L'acidité, de tu vois. Ouais. Du coup, voilà, sauterelle sur 20 ou pas, hein? Sauterelle sur 20. Ok. Franchement, 1 million pour la sauterelle, moi, je trouve ça, avec ça c'est validé. Bah, après, les natures mortes, en soi, on en a tellement vu qu'on a l'impression que c'est rien, mais... Mais c'est pas mal, en vrai. Ça dépend ce que tu consommes, je pense. Ah oui, c'est vrai que... C'est... Ah, merci d'avoir admitted perm le pipi. Ça dépend de ce qu'on a mangé avant de faire pipi. Exact facing words. C'est exactement ça. Ah ouais. Grande discussion de pipi. Hein. On pourrait mais, rester au moins 2 heures. Mais fait. Oui, mais parce que si tu manges des trucs et qu'après tu fais pipi, du coup c'est enrichi. Non, parce que le pipi c'est juste. Ça enlève les toxines. C'est de la filtration en fait. Ouais, c'est la filtration. Ouais, donc il n'y a pas de truc cool qui passe dans le pipi. Donc a priori. Bah, ça dépend parce que tu peux t'en sortir quand même avec. Hein, mais. Bah, je sais pas, hein, vous avez vu Beer Grylls qui boire son pipi? Beer Grylls. Grylls, c'est pas Grylls. Ah. C'est quoi des cristaux? C'est quoi des cristaux fines? Leurs pommes ressemblent à des cristaux fines. C'est des sortes de pommes jaunes blanches, je crois. Cristaux fines, non? Ouais. C'est pas ça? Et oui. Par, on sait que tu peux regarder là aussi si tu arrives. Et oui, car on sait qu'on retrouve par exemple beaucoup de choses dans son urine comme des drogues. Oui, c'est vrai. Une belle paire de pêches. Envie de croquer dedans. Alors, est-ce que tu veux qu'on choisisse quel genre de pêche tu préfères? Celle-ci? Celle qui est à gauche? Moi, c'était sur celui d'avant, je crois qu'elles étaient plus galbées. Celle-ci, galbée, là, celle-ci est pas mal. Celle-ci est pas mal. Je crois que celle-là, elle est un peu, tu vois... Elle est pas ouf. Elle est pas mal aussi. On dirait des nectarines, un peu, c'est ça? C'est des légumes, les cristophines. Ah, d'accord. Je ne sais point. Non, c'est franchement, il y en a des biens. Il y en a des biens. Du coup. Moi, je sais pas comment on choisit les... je me rappelle plus. Je le fais tellement au pif. À gauche, ouais. Ouais, on est d'accord. On a bien choisi. Du coup, fait d'égalisir, je crois qu'on a fait. On avait choisi la date. C'était, enfin, on a choisi la date. On avait trouvé la date. 1602, c'était pas ça? Attends, il y avait Clem Leluc qui l'avait réécrit. Je crois que c'est 1602. Ouais, si, c'est la seule nature signée connue. Sinon, autre nom, la chayotte. Ah, tu découvres. Ah, je ne connaissais pas. Ouh là là. Donc, 1602. T'arrêtes de miaou, toi? Ouais, mais là, en fait, c'est, si je la tiens pas, elle me lacère la cuisse. Donc, j'ai pas trop envie. Avec elle me lacère la cuisse. Là, sur le coup. J'avoue. C'est pas mon game. Pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais faire, déjà? Ah oui, c'était... 1602. 1602. C'était caché, le truc. Voilà. Hop. Il revient ici. Hop. Mes amis, je suis au bout de ma vie. Et c'est la fin. Ça tombe bien. On vérifiera après les onglets qui nous restent pour pleurer. 1602. Ah, mais j'ai pas cliqué. Donc je zoome dans le vide. Sur ces belles pêches, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Nagual. Bonne soirée à toi. Merci. Merci d'être passé. 1602. C'est un peu plus tôt que 1700 hein, cette fois-ci. C'est genre 100 ans avant. Ah, y'a personne. Bah ouais, c'est le début de l'Antiquité pour nous. Artemisia, déjà, c'était pas mal. Hein. Franchement, si vous avez loupé une artiste qui est vachement intéressante, qualitativement parlant et avec des super images, je sais pas si on peut dire ça comme ça, je trouve que Artemisia, c'est cool. C'est toujours cool à regarder. Une 602. Désolé pour le gris, hein, faut que je change ce truc là. Voilà. Non mais en fait faut que je déplace tout ça. Oh. Oh. Le corps assimile que 30% des molécules actives des médicaments. Le reste pas dans les excréments. Pas dans les excréments. Ok. En gros. Ok. Je note. Hop. Et l'égalité. Salut Jelly. Salut Jelly Bee. Si tu bouges. Si j'ai bien compris. Oui, les bébous. Ah, j'ai réappris grâce à Nibbler d'où venaient les bébous. Mais non, c'est pas moi qui te l'ai dit. C'est pas moi. C'est pas toi? Bah non, c'est moi qui ai demandé. Non, c'est moi qui t'ai balancé auprès de Petit Cancanou. Ah oui, c'est vrai.
parce qu'elle disait les bébous et que je t'ai dit pourquoi tu... Est-ce que c'est quoi les bébous? Et t'as dit... Et tu as charrié Petit Cancanou sur son identité régionale. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié cette histoire. Et du coup, ben, en fait, elle nous a juste dit ce que c'était, d'où ça venait, voilà. Donc, je croyais que c'était toi qui me l'avais dit. Non, moi je sais, je connais pas ce genre de choses. Je deviens vieux. Je deviens vieux. Mais s'ils sont deux. Non, mais malaise de ma vieillesse. Oh là là, le drama, pourquoi? On fait que des dramas ici, bien sûr, bien entendu. Vous savez que on tout pour le clout, comme dirait des gens que j'ai pas trop envie de traîner avec, mais ok. C'est quoi un bébou du coup? Bah ouais, c'est ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui l'utilisent. Alors, moi, je vais essayer de raconter ce que Petit Cancanou m'a dit. Mais je sais pas si c'est bien. En fait, elle nous a dit que c'était une vidéo d'une meuf et d'un gars qui se parlaient au téléphone. Et ils se parlaient de manière un peu bizarre, comme si c'était des enfants et tout. Et genre, à un moment, elle lui dit « Hey, mon bibou !» Un truc comme ça, avec une manière de le dire bizarre. Et du coup, voilà. Apparemment, c'est ça. Si j'ai bien compris l'autre, ok. Partez vite. Partez d'ici vite. Moi, j'utilise quand je fais des fautes de frappe, ok. Est-ce Salut, que j'ai bien... Je te redis au revoir et je refais des shout-outs pour Jellyby et Delphéa. Du coup, partez. Est-ce que j'ai bien expliqué ou ça mérite pas une explication mieux que ce que j'ai donné? Merci pour tes lives Delphéa aussi. Hein. Je sais pas où. Faut que je mette à jour les trucs. J'en peux plus. Je fais plus d'efforts avec les SO. Faut que je retravaille tout ça. Voilà. Hop. On se remet en pause. Super Mibble. T'abuses. Mais je trouve que quand tu me l'as imité, c'était mieux. Mais parce que moi, comme j'ai pas vu la vidéo de référence, je peux pas vraiment imiter. Ok. Allez, piste out. Bah, à plus, Jellyby. À plus. À bientôt. Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a tout. Est-ce qu'on se dit c'est le moment de dire au revoir? Ben, moi j'avoue que... Au bout de tes rêves, au bout de la vie. Ouais, moi j'avoue que... Est-ce qu'on ferait un raid? Alors, qui c'est qu'il y a? Parce que là, ils proposent que des gens qui ont à plus de 3 millions de personnes, donc... Donc c'est non. Ça peut. C'est possible, hein. Quand il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Mais on va aller check, vite teuf. Alors, il y a toujours la télécagoule, mais je vais pas vous envoyer à la fin, ça peut paraître un peu bizarre, non? Ah, il y a Bichette qui fait du Crusader King, mais bon... Ou sinon, il y a... on va aller voir Andalis, qui fait de la philo, c'est Hume. Ah bah, c'est le live qu'elle a pas réussi à commencer la dernière fois. On va aller voir Andalis. Et Red Andalis. Parce que la dernière fois, il y avait Hume, donc alors, c'est Hume ou Hume, je sais plus. Et ça a commencé. En lecture de ses essais et sur l'esthétique. Sauf que après il y a eu des digressions. Du coup Inscription, le jeu est arrivé après. Donc voilà, je pense que c'est le début de la lecture. Je vous envoie là-bas. En tout cas, merci d'être venu ce soir, merci d'être fidèle à cette émission. Si fidélité, il doit y en avoir. Voilà, désolé pour l'omniprésence de Ninou. Non, pas désolé du tout, de toute façon, elle fait ce qu'elle veut dans cette vie, heureusement. Merci d'être passé, merci d'avoir pris le temps. D'être là, et de nous regarder, et de... écrire sur le chat. Ouais, c'était cool. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Raving Bell. Bah, décuve bien. Et merci, à plus tard. Merci pour le follow Facing World, d'ailleurs, aussi. Je vous laisse avant la fin du raid. Voilà, vous êtes tous et toutes là. Bah, c'est bon. On va y aller. Salut. Bisous.